Depuis 3 mois, tous les matins, 2 bus banalisés sillonnent la capitale, New Delhi. À l'intérieur, les policiers de la toute nouvelle brigade anti-mendicité. Ce jour-là, le long des axes les plus empruntés de la ville, ils scrutent les mendiants qui opèrent au feu rouge. Dès qu'on en aperçoit un, on intervient. Ils s'enfuient quand nous sommes en uniforme. Lorsque nous sommes en civil, ils ne nous reconnaissent pas, donc c'est plus facile de les attraper. Premier carrefour et première intervention. Les policiers ont aperçu un homme en train de faire la manche dans ce bus. Hommes, femmes, enfants ou vieillards, sans distinction, les 60 000 mendiants que compte la ville sont traités aujourd'hui comme des criminels. Notre politique, c'est d'en arrêter un maximum. Nous n'avons aucune limite. Pour l'instant, seuls 8 policiers et 2 juges ont été détachés pour une ville qui compte près de 16 millions d'habitants. Les arrestations s'enchaînent. Il est parti par là. De l'autre côté de la route, une nouvelle proie a été repérée. Caméra au point, les policiers viennent de le filmer en flagrant délit. D'abord surpris, l'homme tente de s'échapper. Mais la brigade ne va pas lâcher sa prise. Je n'ai pas d'argent sur moi. Vous pouvez vérifier mes poches. Allez-y. Je veux juste manger un peu. Laissez-moi partir. Je ne suis qu'un pauvre homme. L'homme risque 1 an de détention. C'est un mendiant, c'est sûr. Et maintenant, il nous fait son cinéma. Il va comprendre que la police ne se laisse pas avoir comme ça. Hors de question qu'on le relâche. Procédure express. L'homme est immédiatement conduit devant un juge. Dans ce bus, un tribunal mobile. En quelques minutes seulement, son sort va être scellé. Tu as des enfants ? On te demande si tu as des enfants. Le juge visionne la vidéo réalisée au moment de l'arrestation. Elle va servir de pièce à conviction. La seule dans ce simulacre de procès où ne siège aucun avocat. Le procès ne dure pas longtemps. On n'a pas besoin de beaucoup de preuves ni de témoins. S'il avoue et nous dit « je suis coupable, j'étais bien en train de mendier, je suis un criminel, un hors-la-loi », alors dites-moi pourquoi il aurait besoin d'un avocat pour se défendre. Un quart d'heure plus tard, le verdict. L'homme est jugé coupable de mendicité. La sanction tombe, 1 an de prison. Depuis sa mise en service en octobre dernier, la cour mobile aurait jugé plus de 300 cas de mendicité. Tu vas prendre 3 ans, je t'avais prévenu. Si tu reconnais les faits, je te réduis ta peine. Je vous en prie, donnez-moi juste 1 mois. S'il vous plaît, je prierai Dieu Shiva pour vous. Mendier dans la rue est interdit en Inde depuis 1960. La loi n'a jamais été appliquée jusqu'à l'année dernière. Les autorités indiennes viennent de la déterrer sous la pression d'un groupe de magistrats ultra-conservateurs. Voici ceux qui ont milité pour un vaste plan de nettoyage et la création des tribunaux mobiles. New Delhi est la vitrine de notre nation. Lorsque des étrangers viennent ici, ils ont une mauvaise image de tout le pays. Ils se disent que Delhi est le refuge des mendiants. Qu'on n'est pas tranquille le long des routes, qu'ils viennent toujours frapper à la vitre. Vous avez beau dire non, mais ils continuent. C'est du harcèlement. Pourquoi autoriserait-on ces personnes à faire ça ? Mais la plupart du temps, il s'agit de vieillards affaiblis. Bien sûr, mais la politique gouvernementale est claire maintenant qu'il y a la loi. Mendier est un crime. Une ville propre et prospère, débarrassée de sa misère. La chasse aux pauvres n'est qu'un volet d'un vaste plan de réhabilitation de la ville qui s'apprête à accueillir les Jeux du Commonwealth en octobre prochain et qui rêve d'une candidature aux Jeux Olympiques. Les bidonvilles sont rasés, des centaines de milliers d'expulsions sont prévues ces 5 prochaines années. Pour le ministre des Affaires Sociales, il faut aller vite, pousser les pauvres le plus loin possible, à l'extérieur de la ville. Nous voulons montrer que nous n'avons plus un seul mendiant à New Delhi. Que tous les habitants ont un travail. Aujourd'hui, Delhi n'est plus une ville de pauvres, mais bien la première ville au monde. Si le gouvernement remplit son objectif, les milliers de touristes attendus avant la fin de l'année seront préservés de tout contact avec les pauvres de la ville.
L'opération de nettoyage ne rencontre pour l'instant aucune opposition parmi la classe politique. Seuls quelques activistes ont décidé de saisir la Haute Cour de justice. Celle-ci a demandé à ce que les discriminations envers les mendiants cessent, mais les tribunaux mobiles roulent toujours. Avant, nous nous sentions responsables vis-à-vis des gens pauvres, culturellement et politiquement. Mais petit à petit, chacun estime qu'il est légitime d'être individualiste, de faire des profits et de l'argent. Avec la croissance économique, il y a aujourd'hui une gêne à devoir accepter une pauvreté si visible et qui frappe à vos portes. Nous avons voulu savoir ce que devenaient les mendiants après leur jugement. 40 km au sud de Delhi, le camp de Lampur. 1500 détenus sont parqués ici. Officiellement, il est présenté par les autorités comme un camp de réhabilitation avec barbelés et mirador. Allez toi, mets-toi là et tiens le panneau bien droit. À leur arrivée, les mendiants sont fichés, un à un, comme des criminels. Ils vont purger des peines allant de 1 à 3 ans de détention. En cas de récidive, ils pourront passer entre ces murs jusqu'à 10 années de leur vie, comme laissés à l'abandon. On n'a rien à faire ici, à part manger et dormir. Je perds mon temps. J'ai 3 enfants et une femme. Ils sont à la maison tout seuls. Personne ne s'occupe d'eux. Les responsables du centre, quant à eux, ont renoncé à toute idée de réinsertion. Ils sont vieux, infirmes et handicapés. Ils ne peuvent rien faire, donc on ne leur donne rien à faire. Ce sont des déviants. Pour une raison ou pour une autre, ils sont condamnés à être marginaux. Et nous n'avons pas assez de gens pour les guider sur une autre voie. Des centres comme celui-ci, il en existe 3 autour de New Delhi. Des mendiants que l'on cache. Jusqu'à quand, peu importe, du moment que les autorités donnent l'illusion d'avoir fait place nette.